Viens avec moi, maintenant. Anna pour je sais pas quelle opération. Elle a grandi dans une famille adoptive pourrie. Elle a simulé une dépression pour partir et a atterri ici. Elle était même pas malade. Et là, ils vont l'ouvrir. Ouais. Allez. Regarde dans la table de chevet. Cherche tout ce qui a l'air bizarre, pas à sa place. En quoi est-ce que ça aide? On enquête. Enquêter, c'est utile. Ça pourrait être toi. Ou moi. Je les vois dans mes rêves. Des pétales roses qui tombent. C'est comme Anna. Je l'ai vue aussi. Rika. Où est Anna? Elle est partie. Anna est partie. Nous devons d'abord étudier certaines des preuves de l'appartement. La plupart sont reparties au labo, mais il en reste deux ou trois que nous aimerions vous montrer. Ne vous inquiétez pas. L'inspecteur chef a dit qu'on pouvait faire ça ici, chez lui. On ne pourrait pas le faire au manoir d'Elfe? J'ai essayé, mais... je crains que le docteur Ballard n'ait mis son veto. Après ce qui est arrivé ce matin avec Anna, je ne lui reproche pas. Venez, entrez. L'eau chauffe. Inspecteur chef. Qu'en pensez-vous? On approche? C'est elle? Non, quelque chose manque. Ok. Et ça? Nous l'avons trouvé dans son appartement. Elle s'appelle Mia Green. C'était une patiente du manoir d'Elfe.
Elle était très proche de votre mère, elle était très... protectrice avec elle. Parfois agressive aussi. Protectrice? Elle était difficile, parfois violente. Elle a eu une enfance très difficile, mais l'amitié de ta mère l'a réconfortée beaucoup. Erika... La nuit de la mort de ta mère, Mia Green est entrée dans la pharmacie. Elle a fait une overdose et elle est morte. Mais je l'ai vue. Nous avons demandé un mandat au juge pour exhumer le corps. En attendant, nous allons devoir vous garder au manoir d'Elf. Attendez, je vais vous aider. Non, non, c'est bon. Blake, vous voulez bien... Résidence Colker? Oui, c'est le sergent Blake. Tout de suite. Je dois y aller. Il y a un intrus au manoir d'Elf. Je viens avec vous. Non, pas vous. Ce n'est pas sûr. Je viens avec vous. Non, Erika, il a raison. Vous ne pouvez rien y faire. Erika, est-ce que ça va? Tu saignes? Allez-y. Je m'occupe d'elle. La salle de bain est par là, dans le couloir. Tout au fond. Bonjour, Erika. Je t'ai manqué.
vous me voulez? Je suis venue pour lui. Pour Steinbeck. Et pour Johar. Ils étaient de mèche. Je ne te ferai jamais de mal. Vous êtes folle! Il leur a donné sa fille. Sa chair et son sang. Je suis là pour te protéger. Vous avez caché ma vie. Il a fait de moi un monstre. Il a pris ta mère et l'a enfermée. Il a vendu son âme au diable et elle était le prix à payer. Il y a un autre monde sous le manoir d'Elfe. Des passages secrets et des portes cachées y mènent. Je t'ai offert le médaillon, la clé de tout, et tu t'en es débarrassé. Mais en voilà un autre. Il est là, devant toi. Les verrous sont dans les murs. Trouve-en un et vois par toi-même. C'est une vieille ferme. Au cœur de la forêt, entre ici et le manoir d'Elfe. Je t'attendrai là-bas. Viens seul. J'aurais dû rester. Il n'y avait personne. Rien qu'une des filles qui essayait de voler des médicaments. Quelle fille? Toby Neumann. Ce n'est pas la première fois. Ils auraient dû se méfier. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ça va. Essayez de dormir un peu. Vous êtes en sécurité, je vous le promets. Je me sens en danger ici. Ça va aller. Essayez de dormir un peu. Vous êtes sûr qu'elle n'a rien dit? Rien qui puisse nous aider à la trouver? Je pense savoir où on peut la trouver. Attendez ici. Ne dites rien. Verrouillez la porte et baissez-vous. Je reviens tout de suite. Ne me laissez pas seule ici. Je vais pas très loin. Bougez pas. Vous êtes en sécurité ici. Essayez de pas mettre le bazar.
Il y a de la lumière, mais j'ai vu personne. Erika, non, ne lisez pas ça. Ce n'est pas contre vous. C'est mon boulot. Vous croyez que c'est moi qui l'ai tué ? Si je pensais ça, je ne serais pas là. Mon boulot, c'est de voir les faits. Si c'est pas moi, quelqu'un d'autre le fera. Je suis là parce que je vous crois. Je suis là pour l'arrêter. Et nous pouvons le faire à deux. Vous avez trouvé quelque chose ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une vieille photo. Attention, ce truc est un hallucinogène puissant. Allez, sortons vite d'ici. Ils cherchent des visions de l'avenir pour la richesse et le pouvoir. Mais ils ont besoin d'un papillon pour voir. C'est pour ça qu'ils ont pris ta mère. C'est pour ça qu'ils te veulent. Elle est prisonnière. Ensemble, nous pouvons la sauver. Non. Il ne t'aimait pas. Il te préparait. À prendre la place de ta mère. C'est ça que tu veux? Ou tu veux me rejoindre? Nous pouvons vaincre Lucien et libérer ta mère. Tu pourrais être heureuse. Non. Vous l'avez tué. Vous avez caché ma vie.
toi, Erika. Ça a toujours été toi. Elle me parlait de l'avenir. Des choses merveilleuses qu'elle seule pouvait voir. Je lui ai parlé du passé. D'une grande prêtresse, marquée d'un papillon. Pourquoi m'avez-vous amené ici ? Car c'est ici que tout a commencé. Ton père l'a fait. Respire-le. Et je pourrai te faire faire ce que je veux. Je pourrai te transformer en meurtrière. Te pousser à te trancher la gorge. Tiens. Un petit quelque chose que j'ai préparé. Mon père a planté ce laurier rose à la mémoire de ta mère. C'était ses favoris. Je les vois dans mes rêves. Des pétales roses qui tombent. J'apporte ça au docteur Ballard. On fait du parfum. Dans cette lampe, Erika. Que crois-tu que ça t'a fait ? Je suis mourante. Combien de temps ? Ça n'a pas d'importance. Je sais que je suis un monstre. Je mérite de mourir. Ta mère avait cette marque. C'est pour ça que ton père la voulait. C'est pour ça qu'il te veut. Une fille qui regarde dans les flammes et voit le futur. T'as parlé de la prêtresse et du feu. À ton avis, il était l'un d'entre eux. Regarde toi-même. Père a convaincu Lucien qu'en ajoutant la science au rituel, il pouvait voir le futur et le contrôler. Ta mère était la pièce manquante. Il l'aimait. Après tout ce que je t'ai montré, tout ce que tu as vu, comment peux-tu rester là et ne rien faire ? Comment peux-tu les laisser s'en sortir comme ça ? Je ne crois pas au rituel ni à la magie. Tu ne peux pas me mentir. Je sais de quoi tu rêves. J'ai fait les mêmes rêves.
Ma mère est morte. Et si jamais tu te trompes, tu veux t'en assurer toi-même? Ou bien la laisser mourir? Tu n'es pas obligé de me croire. Mais tu sais qu'il se passe quelque chose. Si je me trompe, tu pourras m'arrêter. Mais si j'ai raison, toi seul peux mettre fin à tout ça. D'accord. Garde-le. Tu pourrais en avoir besoin. Ici. Le médaillon. Scellé. Suis-moi. On ne peut pas le laisser vivre. Il donnerait l'alerte. D'entre eux, Erika. Tu n'avais pas le choix. Allons-y. Je m'inquiète pour Kirstie. Oui, moi aussi. Peut-être que nous devrions revoir, en tout cas adapter son... Oui, faire un petit ajustement. Il faut qu'on coupe le courant. Allons à la porte dérobée. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Tu ne dois prendre aucun risque. Il faut que tu sauves ta mère. Il faut absolument que tu le fasses.
Prends ça. Promets-moi. Si c'est nécessaire, utilise-le. C'est promis. Merci. Vous ne devriez pas être ici. Toby doit être soigné. Réveillez-la. Ils vous cherchaient. Ils ont trouvé un corps dans le jardin. Je crois que vous êtes malade. Réveillez-la. Non, c'est trop dangereux. C'est son traitement. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Il faut du temps. Trouvez un moyen. Quand on retirera les tubes, elle va avoir une attaque. Mais je lui donnerai de l'adrénaline. Elle est dans l'armoire. Je dois la lui injecter dans le cœur. Toby ! Cours, Christy ! Je sais, je devrais pas être là, mais je pouvais pas laisser Toby. Nous devons la réveiller. Il faut que tu lui retires les tuyaux. Fais quelque chose! Erika ! Je suis désolée. Qu'est-il arrivé ? C'est moi.
surpris. Où cette arme? Quoi qu'il se soit passé, quel que soit le problème, on peut l'arranger. C'est promis. C'est bien. Parle-moi. Quoi que tu sois en train d'imaginer, on peut trouver une explication. Je suis avec Green. Elle est là, elle m'a tout raconté. Erika. Mia Green est morte. Il y a des années. Il faut que tu arrêtes. Tu dois poser cette arme maintenant. Je crois que tu es malade. Que tu as besoin d'aide. Vous ne les aidez pas. Vous les rendez malades. Vous les tuez. On est dans un hôpital. Nous aidons les gens, nous les protégeons, nous les soignons. Tu es dangereuse. Plus dangereuse que tu ne l'imagines. Je suis allée au grenier. J'ai vu le tableau, c'est le même. C'est le rituel. Un rituel? Cette peinture est là depuis plus d'un siècle. Le grenier n'est pas fermé, Erika. Ce n'est pas un secret, tu dois me croire, je n'ai rien à cacher. Ce sont des cauchemars, Erika. Réfléchis. Qu'as-tu vu en premier? La peinture? Ou bien le rituel? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Ouvrez la porte. Non, Erika. Tu ne peux rien trouver là-dedans que la folie. Tu es resté seul très longtemps. On n'est pas forcé d'en arriver là. Je peux être ta famille. Mia Green est morte, Erika. C'est dans ta tête. C'est un fantasme.
sharpers. Better took those risks. Open up my fist, we fire starters. One out of a million, Marie.